Bonjour tout le monde, bonjour les champions. Et ici c'est Flavien. Donc, permettez-moi de revenir sur vous voir ce soir pour vous présenter encore l'opportunité Daisy, le projet Daisy. Dans la première vidéo, je vous ai parlé de je vous ai expliqué, je vous ai donné la définition de Daisy, qu'est-ce que Daisy, comment Daisy fonctionne. Dans une deuxième vidéo, je vous ai parlé des bonus. Qu'est-ce qu'on gagne? Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent avec Daisy? Que l'on parraine ou bien que l'on ne parraine pas. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous parler des contributions. Du moment où vous lirez, vous allez visionner différentes vidéos, vous allez sûrement vous poser des questions. Vous allez sûrement vous demander est-ce que c'est fiable? Est-ce que ce n'est pas fiable? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que je vais gagner? Combien de temps je vais gagner? Et vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous renseigner chez des amis, si possible. Et si finalement vous décidez, vous prenez la décision d'embarquer, il va donc falloir vous inscrire et payer votre contribution. Et comme je vous l'ai dit depuis le départ, lorsque l'on contribue chez Daisy, on parle de contribution, on ne parle pas d'investissement. Parce que lorsque nous contribuons chez Daisy, nous finançons, comme je l'ai dit depuis le début, nous finançons le développement d'une technologie appelée Daisy AI, qui est un algorithme que la compagnie Androtech est en train de développer. Donc, l'argent que nous utilisons pour nous inscrire et payer chaque niveau sert à financer le développement de cet algorithme. Une partie sert à financer le développement de cet algorithme et une autre partie de nos contributions est donc utilisée pour faire le trading pour nous. Donc, il faut savoir que chez Daisy, on a 10 niveaux de contribution. Voici les différents niveaux. Ça va de 1 à 10. Et la procédure d'inscription est faite de telle sorte que tout le monde passe par le niveau 1. Vous ne pouvez pas sauter le niveau 1 et dire je vais aller directement acheter le niveau 4 ou bien le niveau 5. Il n'y a pas les packs, un peu comme dans les autres opportunités en ligne où on dit que je vais acheter le pack de tel, le pack de 500, le pack de 1000, le pack de 2000. Non. Ici, c'est les niveaux de contribution. Et à chaque fois que vous contribuez, vous augmentez de niveau. Ça vous fait passer des niveaux 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc, le jour même de votre inscription, il faut déjà payer le niveau 1. Ce n'est pas comme les autres opportunités où on va venir s'inscrire et puis on va partir ou bien et revenir plus tard payer la contribution. Non. L'inscription, le jour même que vous faites votre inscription, vous payez déjà votre niveau 1. Tant que vous ne payez pas le niveau 1, vous n'êtes pas inscrit à Daisy. Vous ne pouvez pas vous inscrire. Donc, le niveau 1 tiers là, c'est niveau, ça veut dire niveau. Le niveau 1, c'est 100 dollars. USDT, 100 dollars. C'est 100. Donc, vous payez, vous contribuez les 100, puis vous êtes au niveau 1. Et lorsque vous contribuez les 100 dollars, 50% de ces 100 dollars vont être utilisés pour faire le trading pour vous. Le trading pour lequel vous allez gagner des profits. L'autre partie qui est 50 dollars vont être utilisés pour financer le développement de l'algorithme. Quand on dit financer le développement de l'algorithme, c'est quoi? Ça va être utilisé pour payer les développeurs, payer les chercheurs, payer les abonnements dans les différentes plateformes de trading, payer les équipements, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsque vous payez 100 dollars niveau 1, dans ces 100 dollars, la moitié
C'est-à-dire 50 dollars vont être utilisés pour votre trading. Et 50 autres dollars vont être placés dans un autre compte qui va être, et va être utilisé pour le développement de l'algorithme. Après avoir payé le niveau 1, si vous voulez aller au niveau 2, vous ajoutez encore 200 dollars. Donc, il faut remarquer qu'à chaque fois, ça double. Pour monter à un niveau, vous payez le double du montant du niveau où vous êtes présentement. Donc, pour aller au niveau 2, vous payez 200 dollars. Et de ces 200 dollars, 50% vont être placés dans votre, vont être utilisés pour vous faire du trading. Donc, ce sera comme votre capital de trading. Donc, 50% vont aller dans votre capital de trading. Ce qui, et ça va s'ajouter sur les 50 dollars qui étaient déjà là. Ça vous fait un capital de trading de 150 dollars. Et l'autre moitié encore va aller dans le compte de développement de l'algorithme intelligence artificielle. Lorsque vous montez au niveau 3, c'est-à-dire vous ajoutez un 400 dollars, en ce moment, c'est 70%, ce n'est plus 50%, mais c'est 70% de ces 400 dollars qui sont placés dans votre capital de trading. Ce qui vous fait un total de 430 dollars de capital de trading. 30% vont donc aller dans le compte de développement de l'algorithme. Ainsi de suite. Si vous montez au niveau 4, vous devez ajouter un 800 dollars. Dans les 800 dollars, 70% vont également dans votre capital de trading. Et 30% vont aller dans votre, dans le compte de développement de l'algorithme. Ce qui vous fera un total de capital de trading de 990 dollars. Et c'est sur ce capital que la compagnie Endotech fait le trading pour vous. Et lorsqu'il y a des profits, vous reviendrez dans les retirer. Pour le forex, les retraits se font le week-end. Le vendredi soir à 18h, temps universel, à dimanche soir, 18h, temps universel. Donc, ainsi de suite, tout dépendant de votre capacité, vous payez différents montants pour grimper de niveau. Présentement, dans Desi, il y a possibilité d'acheter un même niveau deux fois, plusieurs fois. Donc, vous pouvez acheter le niveau 1 autant de fois que vous voulez. Si vous avez payé d'abord, vous payez déjà 100 dollars. Ensuite, si vous avez encore 100 dollars, vous avez encore la possibilité de repayer le niveau 1 avec les 100 dollars. Mais, ce n'est pas, je ne recommande pas cette façon-là. Je recommande de grimper les niveaux. Si, après avoir payé le niveau 1, vous avez encore un 100 dollars, les 100 dollars ne vous permettent pas de monter au niveau 2. Vous pouvez garder les 100 dollars, les compléter jusqu'à avoir 200 dollars et venir payer votre niveau 2 et grimper. Parce que c'est toujours très intéressant de grimper des échelons. Parce que si vous restez à l'échelon 1, ça ne sera pas très bénéfique pour vous. Donc, ici, sur cette colonne, c'est les parts dans les 5% d'actions, des actions de Deezer. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo des bonus, l'un des bonus que l'on gagne, que l'on va gagner chez Deezer, ce sont des actions de la compagnie Endotech. La compagnie Endotech va distribuer 5% de ses actions à tous les contributeurs Deezer. Et chacun aura, le montant que chacun aura, ce sera en fonction de sa participation, de son niveau de contribution. Vous allez voir que si vous êtes au niveau 1, vous n'avez pas d'action. Vous n'avez pas, vous avez zéro part d'action dans les
50, dans les 5% d'actions de Endotech. Si vous montez au niveau 2, vous avez une part dans les 5% d'actions. Si vous montez au niveau 3, vous avez deux parts. Au niveau 4, vous avez. Au niveau 4, vous avez 4 parts. Au niveau 8, pardon, au niveau 5, vous avez 8 parts. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'au niveau 2. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes au niveau 1, faites tout pour monter au niveau 2. Ça vous permet d'avoir au moins une part d'action. Parce que si vous repayez, si vous payez même au niveau 1, même 10 fois, vous allez toujours rester au niveau 1, mais vous n'aurez jamais des actions, même pas une part. Alors que si vous montez au niveau 2, ça vous permet d'avoir, vous commencez à cumuler des parts dans des actions de la compagnie Endotech. Donc, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas, c'est, voilà ce qui résume les contributions. Et les contributions se font à travers la wallet Tron Limpo. On fera une autre vidéo sur le processus d'inscription. J'ai même déjà des vidéos là-dessus dans ma page web. Donc, on doit utiliser la wallet Tron Limpo. Vous mettez l'argent de vos contributions dans la wallet Tron Limpo et vous vous connectez à Daisy, toujours en passant par votre wallet Tron Limpo et ensuite, vous faites votre contribution. Daisy va aller chercher l'argent dans votre wallet Tron Limpo parce que votre wallet Tron Limpo est connecté à votre compte Daisy. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste pour vous parler des contributions. Ce dimanche, c'est le. C'est quel? Nous sommes à quelle date aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui le 18. Ce dimanche, sera le 22. Ce dimanche 22, nous allons faire, je vais céduler une rencontre pour des personnes qui sont disponibles. On va faire la rencontre. Je pense que ce sera à, je vais mettre ça à midi heure du Canada. Midi heure du Canada, ça va faire 18 heures. 18 heure de l'Afrique centrale, Congo, Cameroun, Gabon. Donc, c'est ça. Je vais vous envoyer des liens, un lien pour vous connecter. Ce sera sur Zoom. Ce sera sur Zoom. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, les champions. Donc, au cours de la semaine, je vais encore peut-être vous faire une autre vidéo ou sinon, je vais juste vous envoyer dans le groupe les liens pour vous connecter dimanche à 18 h heure de chez vous et 12 h heure du Canada. Merci, bonne soirée à vous. Bye bye.